je mets des stations d'appât où les fourmis folles commencent à envahir la zone des oiseaux. Donc on va faire ça, on va pointer au GPS là et on revient dans une demi-heure pour voir s'il y a des fourmis qui sont arrivées vers l'appât. Dans les prochains jours, on va faire le traitement hein, avec un produit en granulé qui les attire et les tue en même temps. Hein. Elle est arrivée là dans les années 87 comme ça. Et il a commencé au quai de débarquement, ben, il est justement arrivé par les bateaux, hein, dans les sacs de copra, dans les frettes. Ils étaient arrivés à un bon endroit où il fallait traiter tout de suite et on ne l'a pas fait. Et du coup, ben, ça s'est propagé dans la vallée. Ben oui, ils vont déranger surtout les oiseaux qui sont dans le nid. Hein. Ils montent sur les branches. Dès qu'ils atteignent la zone où il y a les nids, hein, c'est difficile de faire les traitements parce qu'ils se rendent dans les branches et tout. Ils risquent pas de redescendre. Hein. Ça fait des dégâts aussi dans les ruches. Les gens qui font de l'apiculture, et ils font aussi des dégâts sur les chèvres qui met bas, hein, les chèvres sauvages. Mais la solution, c'est de traiter vers l'aval, pour un peu que le conseil municipal s'y adhère. C'est pour le bien de tous. Hein.